Alors vous l'avez sûrement vu dans la saison 5 de The Voice Kids, une jeune chanteuse est avec nous aujourd'hui dans le mag sur Sensation, Maïssa. Maïssa, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de The Voice, on va parler d'une autre aventure qui t'est arrivée, le tremplin des voix de Mani Leamo. Alors tu l'as remporté, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Alors au début, on avait fait des petites candidatures pour faire ce tremplin. Donc au début, ça s'est passé dans un auditorium. On a chanté devant des jurys. Et puis ensuite, tout s'est déroulé comme ça devait se dérouler. J'ai été prise pendant l'auditorium du coup. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai été prise pour la finale. Et j'ai chanté Vivre sans toi de Lisandro. Et c'est à ce moment-là que j'ai remporté le premier prix de la catégorie moins de 16 ans. Et qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand on a dit ton prénom et qu'on a dit que c'était toi qui avais gagné? T'as réalisé tout de suite ou... Bah, à ce moment-là, il y avait toutes mes copines à côté, elles étaient en mode c'est sûr, c'est toi. Je disais mais non, arrêtez, vous allez porter la poisse. Elle mérite plus, lui mérite plus. Voilà, c'est ça. Et quand j'ai entendu mon prénom, au début, j'avais du mal à y croire. Et puis après, j'ai vraiment réalisé que c'était moi qui avais été appelée. Du coup, après, je suis allée sur scène pour me présenter, pour remercier le jury, pour faire les remerciements. Et puis. Et ça t'a apporté quoi ensuite? J'ai eu 2-3 contacts assez sympas, dont mon directeur artistique maintenant. Et puis après, ça a débouché sur pas mal de coaching. Coaching, t'as une coach vocale maintenant? Oui, j'ai une coach vocale, c'est Nathalie Moreau. À quoi ça sert d'avoir une coach vocale? Alors en fait, une coach vocale, ça sert à développer la voix, c'est-à-dire... C'est un peu grâce à elle que ma voix maintenant est comme ça, parce que il y aurait eu 2-3 ans, ça aurait été moins développé que maintenant. Surtout que on fait des exercices pour le stress, pour l'articulation, pour la prononciation des choses. Imaginons, je chante en anglais, ça sert beaucoup. Et puis des vocalises, bien évidemment, c'est la base du chant et ça me permet de développer ma voix. Du coup, ça t'aide aussi dans la vie de tous les jours, je suppose? L'articulation, oui, peut-être à l'école aussi. C'est sûr que c'est vrai que ça aide parfois dans la vie de tous les jours. Ça sert à... Imaginons, moi, en cours d'anglais, j'ai du mal. J'ai juste à demander de ma prof de chant de faire une chanson en anglais. Et à ce moment-là, je parle mieux l'anglais. Ça t'arrive de faire ça? Ça m'arrive parfois, c'est vrai, mais ça va. Pour apprendre tes leçons, tu chantes aussi? Tu les chantes, les leçons? Non, pas vraiment, mais ça peut arriver. Quand vraiment, j'ai du mal. Alors, tu disais que tu as rencontré beaucoup de monde. Le tremplin, ça t'a aussi amené à faire The Voice? Alors, le tremplin des voix, non. Tu as fait The Voice aussi? Oui. Tu as fait le tremplin? Tout ça t'a apporté quoi, le The Voice aussi? Ça m'a apporté beaucoup de bien. Ça m'a ouvert les yeux aussi sur la scène en global. The Voice, c'est vraiment une expérience... Grosse expérience, et vraiment devant tout ce monde, tous ces coachs, des personnalités plutôt connues. Donc c'est vrai que ça ouvre bien les yeux par rapport au monde artistique, si je peux dire, au monde artistique, voilà, tout simplement. Alors tu as chanté Ma philosophie d'Amel Ben, c'est ça. Et d'ailleurs ta coach, et ça a donné ça. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance ton cœur. Allez, retourne-toi. Le point levé, lever la tête, pomper le dos, sans cesse redoubler tes forces. Oh ouais. La vie ne me laisse pas le choix, je suis l'as qui va le roi, malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures. Alors on a entendu, il y a deux jurys qui sont retournés. Qui c'est qui s'est retourné en plus d'Amel Bent? C'est Soprano. Et pourquoi t'as choisi Amel Bent? Parce que Amel Bent, elle avait pleuré, elle m'avait vraiment touchée de savoir que je lui ai transmis de l'émotion dans ce que j'ai raconté dans la chanson. En chantant sa chanson. Voilà, en chantant sa chanson. Ça m'a touchée de savoir que elle, personnellement, ça l'a touchée, c'était sa chanson. Au début, je savais pas qu'elle était coach quand j'ai choisi ma chanson. Ouais. Du coup, ça m'a fait encore plus un choc, et de savoir que ça lui a plu, franchement, ça me fait vraiment plaisir.
Et donc quand tu t'es présenté aux auditions à l'aveugle, tu savais pas à l'avance qui t'allait choisir. Tu t'avais pas une préférence. Bah si, au début, avant les auditions à l'aveugle, j'aimais beaucoup Soprano. D'accord. Parce que bah, je suis très fan de Marseille, du foot, de l'équipe de l'OM, tout ça. Et bah j'avais une petite préférence pour Soprano, j'aime bien l'urbain, tout ça. Mais comme on dit, hein, The Voice, c'est plein de surprises. Et bah là, sur le coup... Sur le coup, t'as choisi Amel Bent. Voilà. Et tes parents qui étaient là, ils en ont pensé quoi? Bah mes parents, que ce soit Soprano, Jennifer, Patrick Fiori ou Amel Bent, du moment que j'ai été prise, franchement, ils faisaient pas trop attention au coach. Et c'est juste bah, que je sois prise, c'est déjà bien, alors que ça aurait été n'importe quel coach, ça aurait été quand même bien. Et ensuite, donc par la suite, bon, on sait que t'as été éliminée au battle. Oui. Mais comment ça se passe l'aventure The Voice? T'as été coachée par Amel Bent? Alors en fait, on se fait coacher par Amel et par d'autres coachs en dehors du programme. Ils nous font faire des échauffements de voix, mais il y a des moments aussi où on travaille avec les coachs, où tout ça s'est filmé. C'est assez cool aussi de filmer avec les coachs parce que parfois il y a des moments où toute l'équipe d'un coach est réunie et on danse ensemble, on fait un peu les foufous et c'était assez cool et franchement c'était vraiment bien. T'as pu aussi avoir des contacts avec les autres jurys, pas les autres coachs. Trop. Je sais qu'il y a des coachs qui ont permis à leur talent de faire des premières parties. Par exemple Patrick Fiori ou Jennifer ou même Soprano. C'est quoi la question? Je me rappelle plus à force de parler. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir les autres coachs, de discuter avec eux aussi de ce que tu avais fait? Oui, donc du coup, Amel Bent, je la suivais de temps en temps sur des petits concerts dans des festivals ou des événements comme ça. Mais je parle plus à Soprano parce que, bah voilà, du coup, Soprano, je suis vraiment. Voilà, je suis fan et Soprano, c'est vraiment quelqu'un de super gentil et c'est vraiment. Vraiment un homme humble, du coup, bah, c'est pour ça que vraiment je me dirige vers lui. Et je sais que son parcours, franchement, il a vraiment mis du sien. Il a travaillé dur pour arriver à l'homme qui est aujourd'hui connu par tout le monde presque en France. Donc franchement, oui, je parle plus à Soprano qu'à d'autres coachs. Alors tu dis qu'il t'inspire, quels autres chanteurs et chanteuses t'inspirent? Alors j'ai Kenji et du coup Soprano, mais aussi j'ai vraiment, en ce moment j'accroche beaucoup sur Bilal Hassani, c'est vraiment l'un de mes chanteurs préférés aussi. Pour quelle raison? Bah je sais pas en fait, le message qu'il dégage je le trouve très beau, faire passer la tolérance à des millions de gens en France, franchement je trouve ça super beau, surtout qu'il l'assume, il assume qui il est, il montre à tout le monde qui il est, il l'assume malgré tous les mauvais messages, tous les ondes négatives que les gens lui envoient, il s'en fiche, il continue. Il garde le point levé si je peux me permettre et franchement je trouve ça vraiment vraiment beau ce qu'il fait en fait, ce qu'il fait passer comme message. Alors en plus de toutes ces expériences que tu as pu avoir avec des coachs, avec d'autres personnes, tu fais aussi des petits concerts bénévoles pour des associations, tu peux nous en parler un peu? Alors c'est vrai que oui, parfois ça m'arrive de faire des concerts associatifs pour certaines associations. Généralement, les associations, c'est des associations qui me touchent, c'est-à-dire ça peut être pour le cancer, pour les maladies quelconques. Et franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir d'aider toutes ces associations, essayer de récolter des fonds pour eux, pour que les autres passent du bon temps. Imaginons, je chante dans un hôpital. Franchement, ça me fait super plaisir de faire ça. Là, récemment, j'ai chanté pour l'association APAC et aussi pour l'association Carla, qui est parrainée par les deux chanteurs, Esteban et Diego. Très bien. Esteban, qu'on a pu voir et entendre dans les Kids United, l'ancienne version des Kids United. Bah, merci beaucoup, Maïssa, d'être venue dans le mag sur Sensation. Alors, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, Maïssa Cajou. Et puis Instagram Maïssa Off. Facebook. Maïssa Cajou aussi. Normalement, si vous tapez Maïssa Cajou, ça devrait marcher un peu partout. On peut te retrouver partout. Alors, voilà. On se quitte sur un live qu'on va retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Sensation. Et si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.